Coucou les taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour ta guidance du mois d'octobre. Alors, pour cette guidance, vous allez avoir une surprise à la fin, donc si vous allez jusqu'à la fin, vous comprendrez la surprise. Et j'ai ressorti toutes tes énergies que j'avais tirées fin 2021, il me semble que c'était en décembre, où j'avais fait ton tirage de l'année, Taureau 2022. Et à la fin de chaque tirage astro, j'avais tiré les énergies pour chaque signe, mois par mois. Et donc, pour le mois d'octobre, toi, tu as la carte du feu, du repos, du mérite et de l'hiver. Alors moi, là, tout de suite, qu'est-ce que ça évoque pour moi? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, tu as mis plein de choses en route, d'accord? Tu as mis plein de choses, de projets, en tout cas, que tu as travaillé avec ton feu sacré, que tu as travaillé avec une énergie vraiment feu, vraiment on y va, quoi. Vraiment yang. Et en fait, ici, on me dit qu'après, tu as mis certainement, que tu es actuellement peut-être dans une période un petit peu de repos, où tu te dis c'est quand que le mérite va tomber. Ben moi je te dis que là pour l'instant ce que je vois, après ça peut changer hein, selon le tirage qui va arriver, j'ai l'impression que tu vas mériter, que tu vas être dans la récolte cet hiver de ce que tu as semé, d'accord? Donc on va aller creuser un petit peu tout ça. Alors voilà, je te dis Taureau, toi tu en veux toujours beaucoup, c'est incroyable. Alors, avec l'oracle du rayon d'or, ouais, oh, alors on a la carte de l'animal, peut-être qu'il y a un lien avec un travail, si tu veux, auprès des animaux, c'est possible, d'accord? Sinon, moi avec le feu, là, j'ai l'impression que tu as un petit peu repris ton instinct animal, tu vois, un petit peu ta force, si tu veux, de voir les choses autrement, si tu veux, tu as repris un petit peu le cours de ta vie, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que après, on a la carte de l'eau, et la carte de l'eau, tu vois, ça me fait penser vraiment au cours d'eau. Et le cours, là, c'était émotionnel. C'est-à-dire que je pense que tu étais vraiment, ces derniers mois, peut-être dans une transition où émotionnellement, c'était pas top, d'accord? Et là, on me dit qu'en tout cas, si tu l'as pas fait un petit peu avant, tu vas reprendre cette énergie de guerrier, d'accord? Cette énergie d'animal sauvage un petit peu, hein, de reprendre cette force-là. Et en fait, si tu veux, pour guérir tout ça, il se peut qu'il y ait quelqu'un, une amitié, quelqu'un de proche qui t'aide à faire tout ça, d'accord? Ça, c'est possible aussi. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle? Avec l'oracle Aura, j'en profite pour remercier tous mes partenaires. C'est que des oracles qui m'ont été envoyés par des partenaires, des personnes d'une grande bienveillance et des auto-éditions pour la plupart d'entre eux. Allez, les taureaux, octobre. On a la carte du vol qui vient se greffer à tout ça. C'est comme si on t'avait pris quelque chose, d'accord? Peut-être que tu avais un projet, quelque chose, et qu'on t'a volé. Peut-être que, si tu veux, tu t'es un petit peu battu justement avec cet élément feu et cet instinct animal. Peut-être que tu t'es un peu battu, peut-être, ben alors peut-être que les amis, on verra plus tard, ne sont pas là pour t'aider, mais plutôt c'est peut-être quelqu'un qui t'a volé tes idées, quelqu'un qui t'a volé un projet professionnel ou autre, on va aller creuser encore. Mais en tout cas, on me dit bien qu'ici, peu importe ce qu'on t'a volé, il y a le mérite qui arrive. Ok? Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui va être le défi pour toi au mois d'octobre avec l'oracle des sept flammes sacrées? Magnifique.
En fait, ton défi ici, c'est bien ce que je te disais, tu as perdu un petit peu espoir avec la carte de l'eau émotionnellement, tu vois, tu étais un peu en branque. Hein. Et on me dit ici que ce qui est dur pour toi, c'est de retrouver cet espoir d'arriver à tes fins, cet espoir de pouvoir, si tu veux, je vais décaler ça, hop, c'est mon encens de la boutique Matthijs que j'adore. On me dit ici que tu vas en fait, si tu veux, avoir du mal à garder cet espoir. Alors, on va voir ce qui peut t'aider. D'accord? Qu'est-ce qui va t'aider? Alors, ce qui va t'aider déjà, c'est que tu vas comprendre que ce qui t'arrive, c'est karmique. D'accord? C'est quelque chose que tu devais laisser. C'est tes relations avec les humains. D'accord? Et d'ouvrir ton troisième œil. D'ouvrir ton troisième œil, d'avoir cette vision sur ces personnes-là. Qui sont autour de toi et qui sont pas très sympas, qui portent ces masques-là, d'accord? Et qui en fait t'ont fait certainement du tort, ou t'ont volé ton projet, ou en tout cas, voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc ce qui va t'aider, c'est de comprendre, d'accord? De comprendre qu'en fait tout ça, c'était karmique, et qu'il y a des choses que tu dois accomplir, des choses que tu dois comprendre, des choses que tu dois voir, toi, que tu dois accomplir par toi-même, c'est-à-dire de couper ce karma. Tu peux te faire aider bien sûr par quelqu'un, par un thérapeute ou autre. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui va pour moi avoir de... C'est comme si d'un coup tu avais une révélation sur qui est autour de toi, ce qui s'est passé et tout comprendre. Ok. Alors, on reprend celui-là. Début octobre, s'il vous plaît. Celui-là, je l'ai mis là. Il va y avoir... une surprise. Et du coup, mes autres oracles me serviront pour plus tard. Alors, début octobre, qu'est-ce que j'ai pour les taureaux? Début octobre, taureau, on a la lumière. Ok, on a la lumière qui arrive. Peut-être que cette grande vision, tu vas l'avoir début octobre, d'accord? Peut-être même, ah ben voilà, ça commence. Peut-être même fin septembre, on me dit. Peut-être même que tu commences à l'avoir. Et ça, regarde ce qui est tombé, c'est merveilleux. C'est qu'on te dit ici, avec la carte de la ville, que tu vas pouvoir enfin construire en paix. D'accord? Tu vas pouvoir enfin accomplir ce que tu as à accomplir. Je vais plier un peu parce que c'est déjà le bordel. Hop! Voilà. Tu vas déjà accomplir, tu vas pouvoir, pardon, accomplir les choses tranquillement et sereinement. Et fin octobre. Voilà. Fin octobre, tu vas avoir un choix à faire. Un choix à faire peut-être avec les personnes, on va voir plus tard, mais peut-être avec les nouvelles personnes pour t'entourer, peut-être, je ne sais pas. Ok? Tu vois, tu adaptes en fonction de ton cas. Bien sûr, je ne le rappelle pas, mais vous le savez. Allez, je vous le redis, mais vous savez très bien que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Au niveau professionnel et financier, qu'est-ce que j'ai pour toi, Taureau, au mois d'octobre? On a la tristesse. Donc, je pense que c'est bien dans le côté professionnel où tu t'es senti trahi, où tu t'es senti vraiment. Là, on voit quelqu'un qui pleure beaucoup, qui se sent seul et qui est très déçu. D'accord? Donc, je pense que c'est bien au niveau professionnel on n'a pas été très sympa avec toi. Allez, avec l'oracle de l'oiseau bleu.
Ok. On te dit que tu as eu beaucoup de tristesse face à des démarches. Peut-être que tu avais mis des choses en route, d'accord. Mais en tout cas, on te parle ici que finalement, ça va certainement avancer au niveau des finances ou au niveau des démarches. Vu le jeu que tu as auparavant, j'ai envie de dire que je pense que ça va se mettre en... que ça va se déclencher. D'accord, mais c'est peut-être quelque chose qui t'a manqué ou quelque chose si tu veux. Là, la carte des finances, elle est dans le positif, d'accord? Donc, je pense qu'en fait, ce qui a bloqué, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui t'a volé cette idée, ce projet que tu avais, d'accord? On me dit ici qu'en fait, c'est pas grave parce que tu vas mettre en route justement tout ce qu'il faut comme démarche, d'accord, pour pouvoir y arriver et trouver ces finances qui te bloquent. Ok. Et il est plutôt pas mal taureau ton tirage pour l'instant. Au niveau sentimental, ok. Première carte que je vois, le pantin. Oh purée. L'infidélité, d'accord, la trahison. Et on te parle de reconstruction. Alors, deux choses en... Alors, c'est possible. Que ce n'est rien à voir, d'accord? Que ce soit quelqu'un dans ton côté pro qui t'ait volé ton idée, ton projet, prends-le comme tu veux. Il se peut aussi que ce soit une personne avec qui tu étais ou très amie. Donc, si tu es célibataire, bien sûr, forcément, ça sera cette situation-là. Parce que cette personne, eh bien, elle s'est bien servie de toi, elle t'a bien manipulé. Et elle t'a bien trahi, tu vois. Elle t'a bien trahi. Et maintenant, ben, il va falloir te reconstruire au niveau sentimental, au niveau affectif, on va dire plutôt. Par contre, si tu es en couple, alors ou c'est la même personne qui t'a, entre guillemets, manipulé pour te voler ton projet et ta vie professionnelle ou de l'argent, peut-être même de l'argent, d'accord? On me dit que c'est bien possible pour certains d'entre vous. Et qu'en fait ce soit quelqu'un qui se soit, il y a le triangle amoureux, hein, et il y a quelqu'un peut-être qui t'a trompé même, qui n'a pas que fait que prendre, d'accord, qui t'a aussi pris autre chose, c'est-à-dire qui t'a vraiment trompé au sens du terme. Mais là, on te dit que tu vas aller vers une reconstruction, d'accord? Après, il se peut que ce soit totalement détaché, c'est-à-dire que et on t'est trompé dans ta vie professionnelle et on t'est trompé dans ta vie affective. Et là, ben, je suis désolée pour toi, c'est sûr que j'imagine que tu n'as pas passé la meilleure période de ta vie. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller mieux? Qu'est-ce que notre bel archange Saint Archange Michael, j'adore cet oracle, l'oracle des protections. Je les aime tous. Je suis fan de mes oracles. Qu'est-ce que Michael a pour toi? Alors, Michael, il te parle ici d'apaisement. Tu as besoin de retrouver cet apaisement. Tu as besoin de te retrouver, toi, à l'intérieur de toi. Peut-être que cette période ici, on me parle, période de repos avec l'hiver, peut-être d'introspection, d'accord, par rapport à ce qu'on t'a volé. Peut-être qu'on t'a même volé un mari, me dit-on, avec cet anneau, voilà, ici. Mais tu vois, on me dit ici que tu vas pouvoir t'apaiser ce mois d'octobre, qu'il y a des choses qui vont bouger pour toi, des choses sympas qui vont arriver, ok? Donc, de pas t'inquiéter. En plus, tu avais ce beau tirage ici, tu as la lumière, tu as la paix, tu as le choix de te reconstruire ou pas, à toi de voir, d'accord? Vu le tirage que tu as, j'ai envie de croire que tu vas aller vers cette reconstruction, quoi qu'il arrive. Parce que tu as toujours une carte positive à la fin. Tu vois, ici, partout, tu as des cartes positives. D'accord? Donc, cet espoir qui est bloqué un petit peu, on me dit ici de te le rappeler et que tu vas y avoir droit. Ok.
Allez, avec l'oracle des vieilles dames, qu'est-ce que j'ai comme un message pour toi? En conclusion. On te dit que tu as la carte de la puissante. Tu es la puissance. Tu peux accomplir tout ce dont tu rêves. Tu as la puissance en toi pour faire rejaillir que ce soit cette construction de projet, reconstruction de vie amoureuse, reconstruction d'amitié. Tu peux tout reconstruire. Tu as la carte puissante, la plus puissante. On te dit ici de ne pas t'inquiéter. D'accord? De ne pas t'inquiéter. Fie-toi à... Il y a un cycle qui va se terminer. Je suis désolée pour mes chiens. Ils se parlent entre eux. Ici, on me parle de la lune. Donc, il y a la nouvelle lune qui arrive. Il y a des choses que tu vas pouvoir mettre en place, demander. La nouvelle lune, elle est là pour faire des vœux, pour demander. Et récolter à la prochaine pleine lune qui sera donc en octobre. Donc, n'hésite pas à t'aider de cette énergie lunaire, d'accord? Cette énergie lunaire qui correspond aussi à l'énergie yin, à l'énergie de l'eau aussi. Alors, un petit conseil si tu as envie avec la magie des fleurs pour les fleurs de Bac que tu pourrais prendre pour t'aider. Hop là, je viens de voir que j'ai laissé la carte. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi? On a ici Chérie Plume. On te parle ici de tes peurs, d'accord? Il se peut que tu aies été dans un comportement de détresse totale, de conflit émotionnel. Tu vois, c'est bien ce que je te disais. Tu as l'impression de perdre le contrôle. Tu es dans une tension, une angoisse, un désespoir. Voilà, tu vois, c'est vraiment magique hein, parce que tu tombes exactement sur ce qu'il te faut. Et on te dit ici que cette fleur de Bac, si tu la prends, elle va t'aider à re-rentrer dans la maîtrise, reprendre ton pouvoir, reprendre la puissance que tu es, femme ou homme, la puissance que tu as à l'intérieur de toi. On te dit aussi que tu peux t'aider d'une aventurine verte, d'accord? C'est quelque chose qui peut vraiment t'aider comme cristal, comme minéral, pardon, pour t'aider à traverser cette période de peur. Ça va travailler sur ton chakra du cœur. Et allez, on fait notre petit colibri habituel. Et après, je t'explique la surprise. Oui, tu es prête ou prêt. Tu l'adaptes. Le petit colibri te dit que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour oser suivre la voie que te dicte ton cœur. Ton cœur sait. Alors, s'il y a cette chose que tu te sens appelé à faire, fais-la. Un endroit qui t'appelle, vas-y. Quelque chose à dire, dis-le. Ce rêve que tu as toujours eu, c'est le moment de le vivre. Tu es prêt ou prête. Voilà, le petit colibri fidèle à lui-même qui clôture toujours, toujours, toujours très bien mes tirages. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Alors, la surprise, je vais te l'expliquer. De suite. En fait, je vais faire une extension de cette vidéo que tu pourras. Alors, j'essaye de faire de la place, n'est-ce pas? Que tu pourras commander. Tu pourras m'envoyer un message par mail, d'accord, voilà, un message par mail et je t'enverrai l'extension à toi en privé via un règlement de 3 € via PayPal, d'accord. Alors, je ne peux pas le faire parce que j'ai pas de site internet pour l'instant, d'accord. Mais en tout cas, ne pas hésiter si tu as envie de découvrir l'extension de ce tirage. N'hésite pas parce que tu auras plus d'informations
par rapport à ton énergie du mois d'octobre. Donc voilà, n'hésite pas. Je ne veux pas mettre de tarif élevé parce que j'ai pas envie. C'est juste 3 euros. Je vous expliquer pourquoi le 3. Parce que c'est un chiffre que j'aime beaucoup. C'est un chiffre que j'aime beaucoup. C'est mon chiffre. Et du coup, voilà, je me suis basée sur ça. Juste en remerciement de l'extension du travail que je fournis en plus de ces énergies gratuites. Alors rien n'est obligatoire, bien sûr, comme d'habitude. Vous pouvez tout simplement, si vous avez aimé, me mettre un petit pouce, un petit commentaire, c'est adorable. En tout cas, n'hésite pas à me dire si tu veux cette extension. Tu auras mon adresse mail en dessous de la vidéo. Donc voilà, tu me contactes et on s'arrange pour que tu aies ton extension. Voilà, je te fais de gros bisous. J'espère que ce tirage t'a redonné un petit peu d'espoir. Et puis, n'oublie pas que tu es puissant, puissante, que tu es prêt à accomplir ce beau rêve que tu as. Bye bye!